Hey joueur, bienvenue dans cet épisode 11 de The Last Guardian, toujours avec notre petite Tricot. La dernière fois nous avions eu de grandes révélations, nous avons vu que Tricot était venu nous chercher depuis cette cité là, depuis les airs, et nous avait choisi parmi plusieurs enfants. Et c'est, enfin, on a découvert comment on était arrivé ici. Je vous conseille d'aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est très dur à expliquer ce qu'on a fait la dernière fois. Vu que c'est plein de révélations et tout ça, et le mieux c'est encore de le voir. Donc voilà, si vous voulez savoir comment on est arrivé ici, comment nous, petits humains, on a découvert notre petite Tricot pour la première fois, et ben je vous conseille d'aller voir l'épisode précédent. Mais aujourd'hui, du coup, nous rejouons dans cet incroyable univers, dans cet incroyable monde qui est juste magnifique, et nous allons continuer notre aventure à travers cet endroit. Donc je pense d'ailleurs que notre but dans le jeu, c'est de partir d'ici et non pas de... Moi je pensais qu'il fallait juste aller d'un endroit à l'autre, mais non, je crois que le but c'est juste de partir. Le truc c'est que dans les révélations qu'on a eues, Tricot avait des ailes, elle en a plus. Donc elles ont peut-être été coupées ou je sais pas pourquoi elles ont rétréci. Mais en tout cas elle avait de magnifiques ailes, je l'avais pas dit la dernière fois, mais magnifiques les ailes, j'ai adoré. Donc allez, on cible bien l'endroit et on y va. En tout cas, les deux épisodes précédents, Tricot a fait un travail impeccable. Elle n'a pas du tout, hésité à aller là où il fallait et c'était génial. Ça s'est super bien passé, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors en premier, j'aimerais bien, ma petite Tricot, que tu ailles sur le pylône. Ça pourrait être pas mal. Alors je sais pas si elle peut y aller. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment trop fin pour elle. Faut que je trouve le chemin parce que là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident le chemin où faut qu'elle aille. Alors. On va monter en haut, peut-être qu'il y aura une superbe vue en même temps, hein, j'ai envie de dire. Autant prendre son temps, aller regarder les superbes vues qu'il pourrait y avoir. Et donc on va faire ça, hop, allez on monte tout en haut, on va voir ce qu'il y a. Peut-être d'ailleurs que le pylône va tomber et qu'on va peut-être débloquer des passages. Je ne sais pas. En tout cas ici on a une superbe vue, hein, ça c'est sûr. Attendez, on va rester comme ça. Ah ouais, là on a une superbe vue, là c'est vraiment cool. Oh, là c'est génial, la vue. Comme ça là. Un petit peu comme ça aussi. Ah c'est bon, j'ai ma miniature. Bon allez, est-ce que tu pourrais venir ma petite Tricot? Non, elle a des trop grandes pattes pour pouvoir se poser là-dessus. Alors je sais pas trop où on doit aller en fait. C'est ça que j'arrive pas trop à savoir. Notamment, est-ce qu'on pourrait pas aller en face? Non, on peut pas y aller. Hop, tiens, accroche-toi. Très bien. On va lâcher, donc j'ai compris qu'on peut pas aller par là. Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne en arrière ici. C'est peut-être juste un... Ah, j'ai trouvé, c'est bon. C'est bon, fallait un petit peu examiner. Hop, ça doit être par là à mon avis. Ouais, voilà. Ah mais non, c'est de là où on vient, je crois. Oui, c'est de là où on vient. Là, on a fait tout le tour, comme ça. Ensuite, on lui a ouvert la porte de l'autre côté. Attendez, je regarde un petit peu. Hop, viens par là, petit Tricot. Ensuite, on lui a ouvert la porte de l'autre côté. Oui, je me souviens maintenant. Ici, elle est rentrée. On est parti par là-bas. Et là, elle est finie par tomber dans les pommes. Viens par là. Hop, voilà. Alors, je me demande si on y retourne, qu'est-ce qui va se passer. Mais j'avoue que là, à part aller ici, je vois pas trop où on pourrait aller en fait. Il se passerait quoi si je la fais retourner ici en fait? J'ai très envie de savoir, je suis très curieux, donc on y va. Mais je suis sadique, je sais, mais je suis curieux à la fois. Très bien. Ici, il y a des petits trambardes. Alors, je pense pas qu'elle va nous réattaquer. Ou alors, peut-être qu'on va juste mourir et c'est tout. S'il se passe ça, c'est pas très grave au pire. Alors là, notamment, il y a quelques passages sur les côtés. Ok. Et là, il y a ça. Là, regardez, c'est là la suite. C'est ici la suite. Non, d'accord, ça marche plus. Ça marche plus. D'accord, fallait bien revenir ici. Moi qui pensais qu'il fallait passer de l'autre côté, non, fallait revenir ici. Très bien. Non. Ah oui, voilà, très bien. Donc, je pensais que ça se réactiverait, ça ne s'est pas réactivé. C'est cool, donc on a juste à passer de l'autre côté et à lui ouvrir. Bah on va faire ça. Très bien, j'ai réussi à trouver, j'ai bien pensé à tout regarder, ça a bien marché. Parce que je pense que j'aurais pu passer beaucoup plus de temps à chercher si j'avais pas testé de revenir ici. Si j'avais pas été un peu sadique. Parce que c'est vrai que normalement, logiquement, on la fait pas revenir là où elle aurait pu nous tuer. Mais bon, moi j'avais, et par curiosité, bah au bout du compte, ça c'était le bon chemin. Je pensais pas du tout que ça serait le bon, mais bon. Hop, allez, on lâche. On se pète des jambes, c'est pas trop grave. Dans ce jeu, de toute façon, j'ai aucune pitié pour mon personnage. J'ai compris qu'il était invincible. À part, bien sûr, les espèces de robots. Mais normalement, il n'y a pas trop de problèmes avec eux. Allez, on active le levier. Yeah! Voilà. Alors, hop, je mets mon petit chronomètre. Parce que là, je ne l'ai pas du tout mis. Et comme je vous dis, il faudrait pas que vous ayez un épisode de 1h30. Voilà.
Hop, je pose ici. C'est parti. Allez, viens par ici, ma petite tricot. Alors, je préviens juste que là, ça fait 4 épisodes que je tourne d'avance. Donc, là, je suis au 3ème épisode que je tourne d'avance. Il y en aura un 4ème parce que, vu que c'est les vacances, voilà, je vous repréviens. Vu que c'est les vacances, bah, bien sûr. Oh là, c'est un peu bizarre cette vue. Il faut que je prenne un peu d'avance pour que vous ayez les épisodes à l'heure. Voilà, il faut comprendre. Parce que c'est Noël et que voilà, je vous laisse imaginer la suite. Je pourrais pas être là pour tourner des vidéos tout le temps. Alors ici, est-ce qu'il y a un peu de bouffe? Non, ça a l'air d'être un espèce de labyrinthe. Je déteste ça. Très bien, c'est pas grave. Ok, non, même pas la tête là-dedans, ça sert vraiment à rien. Ok, alors si tu pouvais casser cette porte là, ça serait vraiment génial. Voilà, hop, je vais voir ce qu'elle fait. Elle le fait pas, ça me dérange pas. Ici y a rien, y a rien. Et ici y a rien, y a rien. D'accord, très bien. Ici y a quelque chose, y a rien. Et ici y a quelque chose, y a rien non plus. Très bien. Bon, bah du coup y a plus que ça à taper. Par ici. Hop, par ici. Ah, ça a l'air de s'ouvrir. Ça a l'air de s'ouvrir. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a une espèce de plaque de l'autre côté, donc on va pas pouvoir vraiment l'ouvrir. Par contre, si je tire la porte par hasard. Hop, peut-être que... Non, 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 il y a une plaque de l'autre côté, on peut pas l'ouvrir. On va passer par là. Tu peux te pousser, s'il te plaît, ma petite tricot. Juste, on va regarder sur le haut s'il n'y a pas un passage. Attendez, on va monter sur elle. Il y a peut-être un passage par le haut, en fait. Sans doute, que j'avais pas vu. Là, il y a des poutres. Ça... Ouais, voilà, il y a un passage, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Je suis trop intelligent. Alors, sur le côté, peut-être. Ah non, en fait, non, c'était pas du tout un passage logique. Ah, la pauvre petite tricot, du coup, elle est complètement enfermée. Ils auraient dû nous enfermer là-dedans. Hein. S'ils voulaient vraiment y arriver, les soldats, au lieu de l'enchaîner, l'enfermer dans une prison, ça aurait été plus logique. Après, sans le bouclier, elle aurait pas pu sortir, en fait, tout simplement. Bon, bah alors, c'est par là la suite. J'ai dû me tromper. En haut-dessus. Ah, voilà, c'était au-dessus qu'il fallait passer. Le problème, c'est que là, je peux pas y aller. Il nous faut. Il nous faut quelque chose pour s'accrocher. Notamment, bah, il faudrait une caisse, en fait, parce que là, je peux pas y aller. Ah, peut-être par les cailloux comme ça. Attendez, là il y a un caillou, on peut s'accrocher dessus. Non, non, d'accord. Donc faut que j'amène sans doute une espèce de caisse pour s'accrocher. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une caisse par là? Là, il y a une espèce de mini chariot qu'on pourrait potentiellement placer sur le rail. Notamment. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un chariot? Ouais, qu'on pourrait pousser le chariot avec le rail, etc. etc. Mm-hmm. Alors ça, faudrait vraiment qu'elle le pousse ici. Voilà, viens, viens, viens. Si elle pouvait le pousser sur le rail, ça serait vraiment parfait. On arrivait à le mettre ici, du coup, on pousse ça jusque là-bas. Et donc, on a un espèce de support pour pouvoir monter un peu plus en hauteur. Ici, il y a quoi? Non, ici, rien, c'est juste pour la déco, d'accord. Bah du coup, on va faire ça. Il faudrait que je trouve, du coup, le chariot qu'il faut. Alors, le chariot, il pourrait se trouver où? Ici y a rien, très bien. Et ici, donc il n'y a pas le chariot qu'il nous faut. C'est un peu compliqué là comme énigme. J'ai bien compris qu'il fallait une espèce de chariot. Et ici, il n'y a pas un truc au bout? Non. Très bien, il n'y a rien. Bah, le seul chariot que je vois, c'est celui-là. Mais en plus de ça, il est de l'autre côté, bien loin. On n'a pas le choix, hein, faut le pousser. Frappe-le. Vas-y, frappe. Frappe, allez, frappe. Allez, faudrait que tu frappes ce machin là. Bon, on va remonter sur elle parce que là, hop, voilà, je vois pas trop comment faire en fait. Il faudrait, j'ai vu qu'on pouvait monter, mais j'ai pas réussi à monter. Attendez, hop, je réessayerai tout à l'heure de monter. On va tester un autre truc. Peut-être que j'étais pas assez, j'ai quelque chose que j'ai pas vu en haut. Hop, allez, lâche et saute. Voilà, parfait. Est-ce qu'il va pouvoir passer même s'il y a le mur? Non, il peut pas. Il peut pas. On va se décaler. Et on va monter juste après. Elles sont magnifiques dans ces cornes bleutées comme ça. Vas-y, monte. Voilà. Pourquoi ils m'ont fait pas monter? Je comprends pas. Je crois que c'est parce qu'il y a des cailloux. Voilà, là, il n'y a plus de cailloux. D'accord. Alors, ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. Hop, si tu pouvais casser les plaques, ça pourrait être pas mal. Peut-être faire tomber un caillou, je ne sais quoi. Hop, frappe peut-être. Voilà, elle me voit pas, donc en fait ça serait compliqué pour elle de le faire. Hop, et si elle pouvait casser la porte, ça serait pas mal ça.
Elle l'a déjà fait une fois de casser la porte. Ça, tu pourrais casser la porte? Vas-y, casse la porte. Ah mais, elle fait quoi là? Pourquoi elle me frappe? Oh, on se calme. Je peux plus. Allez, attendez, on se met juste là. Non mais, j'y vais doucement. Hein. Allez, fais-le, frappe. On y va doucement pour éviter de se prendre la porte. Doucement. Voilà, est-ce que tu peux la frapper maintenant? Non. Très bien, d'accord. Je vois pas trop quoi faire en fait là pour le coup. Là il y a des grilles. Bon, attendez, on va retourner là-bas parce que là j'ai pas l'impression qu'elle puisse faire vraiment quelque chose. Le passage était étroit, mais Trico parvient à s'y faufiler. Là-dedans s'y faufiler? Non. Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. En fait, il faudrait que je monte comme ça là. Alors, attendez. Parviens à s'y faufiler. Non, mais il y a nulle part où elle peut se faufiler. Elle peut pas. Ah, si, d'accord. Fallait faire casser les machins. Vas-y, viens. Ok, bah, fallait savoir. Hein, moi qui pensais qu'elle pouvait pas y aller parce qu'elle était trop grosse. Ah, bah, parfait. Continue. Faut que tu continues d'avancer et tu vas me faire un espèce de support. Ok, ah oui, donc elle arrive à s'y faufiler parce qu'en fait elle casse la pierre. Alors qu'avant il y avait une structure, mais elle pouvait pas la casser parce que c'était trop solide. Là, c'est juste que c'est pas assez solide. Ok, d'accord, c'est compliqué à comprendre. Pour le coup, j'aime bien leurs idées, mais des fois c'est vraiment bizarre. Comme je vous ai dit, ils cassent leur propre code et ils le font pas avec intelligence. Comme là, on est d'accord, depuis le début du jeu, elle ne peut pas passer dans des petits endroits. On ne pense pas du coup à la faire passer par ce petit endroit. Et ça, je trouve ça très mal fait pour le coup. C'est débile en fait. C'est débile. Tu dis au joueur, bon écoute, elle peut justement ton truc, c'est que toi, t'es petit donc tu peux passer dans des endroits où elle peut pas passer. Et ça, c'est le truc du jeu. C'est que moi, je peux passer et elle, non. Donc après, je dois trouver un moyen pour la faire passer. C'est tout le truc du jeu. Alors faire une énigme sur le fait qu'elle puisse passer dans un petit endroit, bah non, en fait ça marche pas. Du coup, moi je pouvais pas trouver sans que le jeu me dise que je puisse le faire. Ce qui est débile en fait. Honnêtement, c'est débile. Voilà. Bon, allez, vas-y, viens. On va arrêter de plaindre, enfin de critiquer le jeu. Et on va juste avancer. Mais dans un sens, bah là pour moi elle peut pas passer. Mais elle peut en fait, donc c'est stupide. Après, c'est vrai que tout à l'heure ils ont montré qu'elle a pu passer dans un passage obstrué vu qu'elle est venue jusqu'à nous. Quand on était en prison, vous vous souvenez. Le truc, c'est que moi, dans un sens, je me dis, bon, elle fait que gratter, mais là, enfin, j'ai pas pensé à coller les deux. Est-ce qu'elle va pouvoir passer? Je me demande. Ouais, elle va venir, je pense. C'est quoi ça? Et il. D'accord, ça c'est pour tirer parce qu'elle pourra pas passer de toute façon. Ok, donc tout ce qui est terre, elle peut creuser maintenant. C'est son nouveau truc, c'est la creusette, c'est toute sa vie. Bon, du coup, nous, bon, on va tirer ça, on va la laisser passer. Non mais d'où elle... Attendez, vous êtes d'accord, hein, la porte elle est petite là. Non mais elle peut pas passer dans un si petit truc. Non mais c'est n'importe quoi. Non, là je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Alors je veux bien qu'elle soit très fine, qu'elle va bien se glisser, qu'elle a surtout de la graisse autour d'elle qui fait que on a en fait son ossature, et bah elle peut passer. Mais là, son oreille elle passe même pas, c'est quand elle passe même pas, elles ont traversé le décor, c'est n'importe quoi. Oh non, je suis désolé, mais depuis le début c'est super réaliste, mais là c'est n'importe quoi. On est d'accord. Ah, si elle passe, c'est vraiment du délire. Non, elle peut pas passer, ouais, c'est ça. Elle peut vraiment pas passer, c'est logique. Ok, je viens de refermer la grille sur elle, mais là je peux pas faire grand chose. Est-ce qu'elle peut passer du coup? Non, elle peut pas passer. Je fais quoi moi? Je continue ou je l'attends? Je fais quoi? Attends, on relève la grille, d'accord. La grille a vraiment traversé son squelette. Très bien, attendez, on va attendre qu'elle passe. Non, elle peut pas passer, oui, c'est logique. Ok, bon, on te laisse comme ça. Je vais trouver un moyen de te faire passer de l'autre côté, à mon avis. Hop, en plus ton cou est sur la grille, donc de toute façon elle peut pas se refermer en fait. Ok, là normalement tu devrais aller mieux. Ah là on la voit vraiment se débattre, mais je vois pas trop comment elle va pouvoir passer. Bon, attendez, on va essayer de trouver un moyen de la faire passer, parce que là, hop, qu'est-ce qu'il y a ici? Bah y a rien. Et même si on la fait passer, je vois pas comment on va faire pour nous après décoller ou je ne sais quoi. Ouais, toujours bloqué là-bas, comment je fais? Moi je sais pas quoi faire.
Pour une fois dans le jeu, je sais pas du tout quoi faire là. Il y a plein de fois où je sais pas quoi faire, mais là pour le coup encore plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'attendre, je dois rester sur elle, je dois faire quoi? Bon attendez, on y retourne parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire quelque chose de toute façon là-bas. Donc on va y retourner. On va regarder ce qu'on peut faire un petit peu. Est-ce que je pourrais l'aider? Je peux l'aider en attirant par hasard. Ah d'accord, fallait déclencher la cinématique. Oh, très bien, n'importe quoi. Non mais là je dis que c'est n'importe quoi parce qu'il n'y a aucune logique. Comment tu veux que je devine qu'il faut faire ça? On est même pas forcé de le faire. Moi si j'avais pas essayé de l'attirer, si j'avais pas eu l'idée de l'attirer, je serais jamais allé vers elle. Ah bon, le jeu s'est dit, bon un jour il va bien y aller. Mais là j'avoue que de plus en plus ils font un peu n'importe quoi parce qu'il n'y a aucune logique pour que j'y aille en fait. C'est pas logique. Bon allez, c'est pas grave. On va se relever et on va avancer dans le jeu. D'accord, elle est là. Ah la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Cette tête elle est complètement écrasée. Je dois continuer par là-bas à mon avis. Hop, la caméra de toute façon me dit d'y aller donc j'y vais. Hop. Ok, là il y a une espèce de trou. Ah, on est un peu serré là, on est vraiment obstrué. Bon ça c'est une volonté propre, c'est pour dire qu'on est dans un trou. Ok, là ça me semble plus logique par contre. Hop. Ça me semble plus logique ici. On pourra au moins faire plus de choses. Bon, elle va casser à mon avis le décor. Ok, là, elle a l'air de se réveiller. Hop, nous on va monter. À mon avis, on pourra peut-être tomber un truc sur elle pour casser la brique qui la retient prisonnière. En tout cas, elle est costaud, hein, parce que elle est costaud, je veux dire. Parce que franchement, vous avez vu tout ce qu'elle arrive à subir et à se relever à chaque fois et à sauter. C'est assez fort quand même. Hop, allez, on monte. Non, on monte pas. Ah, non, mais arrête de tout. Pourquoi il a tout descendu? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce héros. Bon, c'est pas grave. Hop, on passe de l'autre côté. Ouf, j'ai cru qu'il y avait un énorme trou, mais en fait, que dalle. Très bien. Viens par là, ma petite tricot. Bientôt se ramener normalement. Hop, est-ce que je peux faire une petite roulade? Yeah, petite roulade, ça fait toujours plaisir. Petite porte de l'enfer, j'espère qu'il n'y aura pas de robot. Oh, il y a une lance. Oh, je suis sûr qu'il allait avoir un robot. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'en étais sûr et certain. Alors, j'espère que personne ne prendra de lance. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ils ont l'air de tous oublier la lance. Bon, moi, ça me va. Hein. Si j'oublie la lance, ça me va, ça me va. Ah, il est mince. Bon, je vais être obligé de me les prendre dans la poire. Oh, ils ont l'air d'hésiter pour avancer. Et bah ouais, il y a ma copine derrière, qu'est-ce que tu crois? Allez, ma petite tricot, attaque! Mais comme je vous dis, voilà, c'est pas logique, y a rien de logique. Franchement, comme je disais, ils auraient dû nous... Hop, on va rapidement monter sur elle. Ils auraient dû nous forcer en fait à aller vers elle ou alors ils auraient dû déclencher la cinématique au moment où tirer le machin. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de logique pour qu'on aille la voir en fait. En vérité, on aurait pu attendre 5 minutes à attendre qu'elle arrive. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va arrêter de critiquer. Hop, très bien. Très bien, très bien. Hop, on va te caresser ma petite tricot. Tout ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, j'ai réussi à avancer. Donc ça va. On va pas critiquer. Et on avance. Ah, allez, vas-y, on te caresse, ça va aller, ma petite tricot, ça va aller, c'est fini, c'est pas fini, je crois, en fait, ouais, je crois qu'il y a encore un soldat, c'est pas fini, mais c'est fini, ah non, c'est pas fini, d'accord, est-ce qu'elle va réussir à l'avoir? Bon, je reste accroché, je suis bien, parfait, parfait, c'est fini, ma tricot, c'est fini, là, tout doux, tout doux, voilà. Hop, attendez, on va se rapprocher un peu plus de sa nuque parce que là ça marche pas. Ah non, c'était pas fini en fait, d'accord. Là c'est fini maintenant qu'elle a fait un peu bleu. Voilà, là on peut la caresser. Très bien. C'est fini ma petite tricot, c'est fini. C'est fini. Attendez, on va un petit peu avancer. Hop, ici ça devrait aller. Voilà, c'est bon ma petite tricot. Donc nous, on va avancer par là. Voilà, très bien. Et je te laisse aller sur le petit pilier. Ok, bon en tout cas voilà, comme je dis c'est pas logique quoi, depuis le début du jeu on nous dit elle peut pas passer, et là elle passe, et puis là il y a la cinématique qui s'est déclenchée, mais honnêtement, bah c'était pas logique en fait que j'aille la voir, moi vraiment j'aurais cherché, enfin, disons que c'est débile en fait de nous mettre une cinématique comme ça, enfin, ils auraient dû faire un autre procédé pour la mettre, parce qu'au bout du compte, bah j'ai quand même perdu du temps, 2 minutes où j'aurais cherché un petit peu au fond, mais heureusement que j'ai eu la bonne idée d'aller voir si en la touchant ça allait se passer quelque chose. Mais honnêtement, je pense qu'un joueur normal, il serait tout simplement essayer de chercher une solution à l'endroit où j'étais, à l'extérieur, vous voyez, sur le balcon. C'est beaucoup plus logique de rester sur le balcon et de chercher comment la libérer plus tard.
Mais bon. Voilà, on va passer à la suite. Allez, la petite tricot. Avance. T'arrêtes pas. C'est pas très solide tout ça. Là, on rejoint la grande tour de tout à l'heure. Oh mince. Là, il y a une espèce de deux, il y a deux boucliers. Ça sent mal. Heureusement, ça a arrêté de se casser. Ah, mais c'est pas solide leur machin. Attendez, comment ils veulent accueillir une tricot? A mon avis, c'est peut-être pas fait pour elle. Ok, il y a deux boucliers en face. Donc ouais, on allait bien vers la tour. Je crois que je l'avais montré au dernier épisode. Ouais, on va bien vers cette tour là. D'ailleurs, elle était, c'est la tour la plus... Ah oui, d'accord. Allez, je regarde un petit peu où on était. Ouais. Avant, je crois qu'on était en dessous. Ah non, je crois qu'on était encore plus en dessous qu'avant. Je regarde un petit peu quand même, parce que c'est vraiment, je pense, la fin du jeu là. À partir de maintenant, je pense que là, on est vraiment à la fin. Ok. Et d'ailleurs, c'est la tour la plus visible de l'extérieur. C'est vraiment cet endroit-là le plus symbolique. Ok, on va pouvoir se jeter. Très bien, voilà, parfait. Ok. T'inquiète pas, ma petite tricot, je reviens tout de suite. Je t'enlève ces machins-là, ils vont pas passer. Oh là là. Alors, en tout cas, superbe musique derrière, super bande son. Je vous laisse écouter. Voilà. Alors, oui, on n'entend pas beaucoup, parce qu'elle s'est un petit peu calmée depuis. Hop, très bien, on peut passer par là. Alors là, j'hésite, est-ce que je peux sauter en face? Allez, j'essaye. Oui, j'ai réussi. J'ai cru que j'allais tomber, mais bon, ça s'est passé nickel. Donc ça va. Est-ce que par hasard... Non, on va plutôt avancer. Je pense que ce serait préférable. Hop, très bien, voilà. Ok, petite poutre qui, à mon avis... Ok. Heureusement qu'elle est là, sinon on serait bloqué en fait. On pourrait plus bouger, ça serait un peu bête. Heureusement qu'il y a toujours un passage, c'est génial. Tout est fait pour qu'il y ait toujours un passage. Hop, et après on repasse de l'autre côté et on remonte par au-dessus. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Par là ça semble... D'accord. Oh, il est vraiment joli ce temple, c'est la première fois. Voilà. Là on est... Vous vous souvenez du premier temple qu'on a visité? Bah là on est dans cette espèce d'ambiance qu'on avait au début. C'est vraiment ça. Oh, j'adore cette espèce de marbre un peu. Enfin, ce truc très lisse avec quelques hiéroglyphes dessus, un peu taillé dedans. C'est vraiment génial, j'aime beaucoup. Ok, pour le moment ça se passe plutôt bien. C'est pas trop compliqué. Ok. Il faut en faire un de ces chemins pour juste pousser 2-3 trucs hein. Alors tout a l'air quand même assez glissant, donc je vais pas m'accrocher dessus. Alors là je fais comment? Ah, c'est un peu la galère là pour le coup. Est-ce que je peux monter par hasard? Non. Ok. Ah, j'ai compris comment on va faire. C'est bon. Voilà, très bien. Par contre, il est fort hein, parce que franchement, ce truc doit être assez glissant pour le coup. Ça a l'air d'être une matière quand même assez glissante. Hop, allez, en regardant notre petit tricot. J'adore en tout cas cette touche qui permet d'automatiquement regarder tricot. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Hop, très bien, comme ça on la perd jamais de vue. C'est génial. Allez, c'est bon, là on est là. Alors on remonte, très bien. Oh, j'ai pas envie de tomber, mais on va quand même essayer de passer. En tout cas c'est cool, ça a l'air solide, ça va pas tomber. Ça pour le coup, j'ai plus confiance dans cette matière que dans les autres bâtiments où on était allé. Tout avait l'air de casser là, alors que ça a l'air d'être hyper solide, de tenir hyper longtemps. Tiens, il faut faire de ces chemins pour juste enlever 2-3 logos. J'espère que je me trompe pas. Oh, j'ai pas du tout envie de tomber. Bon, je pense qu'il y a des checkpoints un peu partout pour éviter quand même qu'on recommence tout. Puis début, en tout cas, c'est ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a des checkpoints partout. Il n'y a pas trop de problème au niveau des checkpoints, c'est génial. Ok, allez, on avance. La caméra est plutôt bien là pour pouvoir bien s'orienter, c'est cool. Ils ont bien choisi les distances. Hop, très bien. On arrive bien à lire, en tout cas, là où on doit sauter. Ça, c'est un des trucs les plus compliqués, je pense, dans les jeux de plateforme, surtout avec des comme celui-là, là, pas comme dans les Mario en 2D, mais surtout dans ce genre de jeu de plateforme, c'est bien positionner la caméra pour que le héros sache où aller. En tout cas, première fois qu'on est vraiment aussi éloigné de Tricot, hein. Franchement, on n'a jamais eu de moment où on était si éloigné. Là, quand même, on est... Alors, peut-être que là, je vais tourner mon 4e épisode après, bien évidemment, mais peut-être qu'en fait, je finirai le jeu, parce que franchement, honnêtement, qui n'a pas envie de finir ce jeu alors qu'il est à un épisode près? Non mais faut être raisonnable hein, dans la vie. J'aime bien avoir ma petite dose chaque jour, mais j'aime bien aussi savoir la suite. Donc peut-être, je pense que dans le 4e épisode on n'aura pas fini, mais alors à mon avis dans le 5e on aura fini. Parce que bien sûr, le but c'est de sortir d'ici, mais à mon avis de monter en haut de cette tour. Et vu les bons qu'on fait avec Tricot depuis le début, à mon avis on tardera pas à sortir de cette tour. Enfin, à sortir de la zone. Donc je pense que le 4e épisode, ça sera pas le bon pour le finir, mais le 5e oui. Et moi qui voulais prendre 4 épisodes d'avance, je reprendrai un 5e d'avance au bout du compte. Voilà, je vous préviens,
Sauf si bien sûr le quatrième épisode on finit, ce qui est totalement possible aussi. Ok, on a fait de ses chemins. Par contre, on est vraiment hyper rapide. Hein. Pire que dans Assassin's Creed. Les gars, ils montent hyper rapidement. Regardez, on était là-bas et là, en à peine 5 minutes, hop, on a fait tout ce chemin-là hyper rapidement. Le gars, il ne fatigue jamais. C'est vraiment... On pourrait même le comparer carrément à MacGyver ou je ne sais plus qui. Comment il s'appelle, Chuck Norris. Pire que Chuck Norris, n'importe quoi. Le gars, franchement, ce gamin, il est infatigable. C'est fou. La force qu'il a, la mobilité qu'il a, c'est incroyable. Pire que, franchement, sans tricot. À part le fait qu'il peut pas faire des bons gigantesques, franchement, il n'y a pas besoin de tricot. Hein. Il pourrait s'en sortir totalement tout seul. À part les soldats aussi qu'il n'arrive pas à avoir. Mais sinon, franchement, il est génial, ce gamin. Oh! Oh 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 oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Première fois que les portes sont ouvertes. Ah! Ah, ça me fatigue! Ça me fatigue! Ça me fatigue! Ah, mais je vais pas pouvoir m'en sortir là, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible, j'arrive plus à bouger! J'arrive plus à bouger, je peux pas bouger là! Je peux pas bouger! Non! Ah, c'est trop dur! Ah, mais non, c'est pas possible là, on est foutu! On va pas pouvoir enlever ces deux trucs. En plus, il y a trop d'ennemis à bouclier. Casse-toi. Ah. Ah, ça fatigue. Ah, je peux plus bouger. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Je peux plus bouger. Casse-toi. Non. Va-t'en. Chico. Viens m'aider. Non. Non. Chico. Attendez, je viens réussir. Ah. Non, elle a réussi à battre sa peur. Trico, aide-moi. Ah, bien joué Trico. Non. Et Trico, tu peux le faire. Vite. Faut monter. Oh là là, c'était magnifique quand elle a déployé ses ailes. Alors je me suis tué pour vous laisser l'action, mais moi j'étais ébahi, c'était génial, tout simplement. Elle est magnifique, ma petite Trico, quand elle déploie ses ailes. Ah. Allez, faut se pousser. T'inquiète pas Trico, je t'aide. J'y vais. J'accours, si j'arrête de me prendre les murs. Allez, vite. Allez, go. Il faut lui libérer la place. Vite, le levier. Vite. Ah, voilà. Oh, plus de chemin. Ok, vas-y, Trico. Monte, vas-y. Ah. Oh, non. Oh, non. Trico. Ok, il est juste en dessous. Faut qu'on lui libère le passage. Pas le choix. Ok. Avant que ça cède, il faut qu'on continue. Hop, très bien. Saut de la foi. C'était le but, je voulais tomber de toute façon. Trico, sauve-moi. Ah, j'ai réussi. Bon, t'as pas bougé, mais c'est pas grave, j'ai réussi. Hop, très bien. Allez, monte. Lâche la cuisse. Monte, mon petit Ico. Allez, vite, faut aller sur sa tête et aller libérer le deuxième levier. Je sais pas pourquoi ils ont mis le levier sur l'extérieur, je comprends pas trop l'idée, mais c'est pas grave, il devait y avoir un pont avant qu'il relie tout ça. On va arrêter de parler architecture. Hop, allez, vas-y, c'est parti. Monte au-dessus et saute. Parfait. Allume le levier, vite. Yeah. Vas-y. Monte. C'est le moment ou jamais. Vas-y. Parfait. Je crois que ça va tenir. Mais c'est pas possible, non, bah deux fois le même coup. Allez, vas-y, ma petite Trico. Ah. Ah. Et bah enfin. Ah. T'es prêt, ma petite Trico? Vas-y. Oui, parfait. Bravo.
Oh, oh, j'ai vu qu'elle m'avait lâché. Bon, heureusement, ça s'est plutôt bien passé. Ah, ça sera peut-être pas dans le quatrième épisode qu'on finira, mais dans le cinquième, sans doute. Trico avait volé, pas loin, certes, mais assez pour ne pas en douter. Une fois ses ailes entièrement guéries, alors peut-être que nous pourrions nous envoler. Nous étions si proches. Eh ben dis donc, génial. Génial. Franchement, le vol, la planète, tout ça, c'est juste trop ouf. On a fait un de ces trucs, c'était génial. Avec, oh, en fait, c'était génial, c'était surtout trop bien quand ils sont arrivés les soldats et qu'ils m'ont brisé. Enfin, ils sont venus avec leurs espèces de logos bizarres par légion. Et en fait, j'ai compris à quoi servent les portes. En fait, c'est de la téléportation. Mais je crois que aussi ça peut nous tuer s'ils nous prenaient et qu'ils nous emmènent dans les portes. Notamment, c'est comme ça que ça marchait dans Ico. Oh, c'était vraiment génial, génial. Et après, bien sûr, elle est arrivée, notre petite Trico, et elle nous a sauvé la vie. Elle est arrivée en mode héroïne. C'était, ça aussi, c'était complètement épique. Complètement, complètement épique. En tout cas, merci ma petite Trico, tu nous as fait un de ces vols, c'était magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de toute façon comme moi elle peut pas vous plaire, elle était trop bien. En tout cas, on rejouera ensemble la prochaine fois, car moi ça fait quelqu'un en plaisir que je vais clore cette vidéo. Et allez, ciao, bye bye tout le monde. Ça va ma petite Trico? Tu dis au revoir à tout le monde? Ouais. Allez, ciao.